Nous sommes, ou plutôt je suis, toujours encore tout seul au 36 rue de l'Hôtel de Ville à Rideau. Vous me connaissez bien. Philippe Stocker, je suis né le 4 avril 1962. Vers 18h. C'était déjà un mercredi, un jour du canard. Tout comme aujourd'hui, nous sommes le mercredi 13 janvier 2021. Et il est 2h du matin. Alors je sais, les experts psychiatres, je ne devrais pas être réveillé à cette heure-ci, mais qu'est-ce que vous faites réveillé à 2h? Je chante, je ne sais faire que ça, je chante, je suis heureux. Daniel Guichard. Plus sérieusement, la chanson deuxième génération de Renaud que je dédie à mon ami algérien, Slimane Saïd. Je m'appelle Slimane et j'ai 15 ans, je suis chez mes vieux à la cour, j'ai mon CAP de délinquant, je ne suis pas un nul, j'ai fait mes preuves. Dans la bande, c'est moi qui ai le plus grand, sur le bras, j'ai tatoué une couleur. Je ne suis pas encore allé en tôle, pareil d'ailleurs, que c'est pas bizarre, parce que tu es un peu comme dans une cage, parce que tu crois que la rue, c'est drôle, tu crois que la rue, c'est les vacances. J'ai rien à gagner, rien à perdre, même pas la vie. J'aime que la mort dans cette vie de merde, j'aime ce qui est cassé, j'aime ce qui est détruit, j'aime surtout tout ce qui vous fait peur, la douleur et la nuit. Deuxième génération de chômeurs, donc de maghrébins, que à l'époque on a fait venir ici pour faire les sales boulots, et qu'après on a voulu faire retourner dans leur pays, et personnellement je suis contre, personnellement je suis pour la multiethnie, la richesse et le mélange de cultures. Et c'est très bien. Et alors, j'ai modifié un peu la chanson. Je m'appelle Philippe Stocker, j'ai 58 ans. Je suis né le mercredi 4 avril 1962. C'était déjà un jour du canard, vers 18h, d'une maman poule qui m'a trop gâté. Et la raison pour laquelle j'ai réussi à garder cette jeunesse, c'est que par défaut, je crois encore ce qu'on me dit, j'accorde ma confiance aux personnes qui me sollicitent. Et bien entendu, si on me fait un sale coup, bah c'est sûr qu'après la confiance, c'est plus la même. Ça ne veut pas dire que c'est irrattrapable, mais il faut après beaucoup prouver. Quoi, pour, Voilà, il est 2h, on entend le clocher de Rideau. Et alors, je voulais donc dire que je suis fan de Georges Carlin, hein, que j'adore Georges Carlin, hein, Georges Carlin was right. Georges Carlin, c'est un fantastique acteur, un artiste décédé en 2008, qui a fait des sketchs du style Well, we know what they want more for themselves and less. For anybody else, but I will tell you what they don't want. They don't want a population of citizens well informed that gains their interest, that's right. And now they are coming for your social security money, folks. They want it back so they can give it to their criminal friends from Wall Street. And you know something? They'll get it. They'll get it all soon or later because it's a big fucking club. And you and I ain't in it, you and I are not in this big club. These are persons of modest being. It doesn't matter the color of shirt you have on. These people continue to elect these rich cocksuckers. They don't care about you, they don't give a fuck about you. At all, at all. If you have selfish, arrogant and ignorant citizens, you're gonna have selfish, arrogant, and ignorant leaders. It's as simple as that. J'adore aussi le sketch about death penalty.
about death penalty, the drugs dealers aren't afraid to die. They are killing themselves every day in the streets by gun shootings and car crashes. They aren't afraid to die, but I will tell you who is afraid to die. It's a bankster who learned as a drug money. We have to crucify them with not little injection. We have to crucify them, feet up, head down, and naked, and after football games. Il est trop terrible, Georges Carl. Et alors là, j'ai mon pressbook de tous les trials que j'ai gagnés et tout ça. Et puis voilà, j'ai ça, c'est un souvenir. Par exemple là, 1985, Philippe Stocker sur JCM, il gagne devant 102, il y a 102 compétiteurs. Il y en a 101 derrière. Ah, je suis un pilote. Et a marqué en bas que l'énergie en Stocker. Alors c'est Coluche qui disait que dans les journaux, il n'y avait que marqué des conneries. Le seul truc de vrai qu'il y avait, c'est la date. Et la raison pour laquelle je suis en photo sur la JCM de Joël Corot. Bon, j'ai fait la vidéo de son musée de la moto à Vesoul. C'est que j'avais déjà compris, et ça me gonflait, que d'être pris en photo sur un podium à côté du député du coin, etc., pour lui faire de la pub, ça me gonflait. Et donc, je préférais, je n'assistais jamais à la remise de prix, on profitait la coupe que j'avais gagnée, la course d'après. Et c'était très bien comme ça. Voilà, voilà. Mercredi, c'est le jour du canard. Jeudi, c'est le jour des experts, ça c'est perso. Vendredi, ne l'oubliez pas, c'est le jour des canards. Je me suis fait flasher à coups en rentrant de Paris, je sais plus en quelle année, 400 boules on m'a fait. Si vous êtes en excès de vitesse en agglomération, c'est 90 euros si vous dépassez de 5 km/h. C'est du racket, on ne peut pas appeler ça autrement. Je suis en contact avec la Ligue des conducteurs, .org, à qui je vais essayer de refiler cette vidéo, et je leur autoriserai de la diffuser, YouTube ou autre, sur le net. Et je remercie les fantastiques informaticiens de Google de permettre justement cette possibilité de diffusion. On va se rappeler aussi que 3 juillet 2015, le docteur Olivier Gossin a établi en ce qui me concerne un certificat qui atteste donc une évaluation globale du fonctionnement de 100 sur 100. Ça veut dire que je ne suis pas fou, je suis un surdoué, je suis au chômage. Et pourquoi je suis au chômage au RS? Tout simplement parce que la corruption a atteint dans ce pays tout est copinage. Et le copinage, c'est la preuve. J'ai la preuve de corruption de petits élus locaux. Contrairement à ce que dit Philippe Pascot, d'ailleurs, qui m'a zappé en ami Facebook, Philippe Pascot, tu fais ce que tu veux. Moi, je dis que même les petits élus sont corrompus. En tout cas, ils défendent leur intérêt perso. Voilà. Alors, je recherche activement un emploi, s'il y en a qui veulent de moi. Sachant que je suis diagnostiqué anarchiste, comme Isabelle Attard de la Société Générale, dont je vous invite à voir la vidéo, qui fait une fantastique réplique au ministre Sapin Société Générale, Jérôme Kerviel. La Société Générale, 5 milliards de perdus. Par le trader Jérôme Kerviel, la Société Générale savait, je ne sais pas si à l'heure actuelle elle a remboursé, les 2 milliards qu'elle s'est auto-octroyée. Un coucou aux impôts. J'aime les impôts, leur clairvoyance, leur multitalent, leur polyvalence. Oui, je les aime, je les aime.